Konnichiwa les amis. Bon, on a que là, comme on peut le voir, on est dans un centre commercial. Et puis on se gêne pas pour faire une petite vidéo en parlant bien fort. C'est complètement contraire aux règles d'usage dans ce pays. Exactement. Aujourd'hui, journée Mathieu boutique. Mathieu est un petit peu requinqué. Ça va mieux. Aujourd'hui, journée boutique. On va se balader pour voir si on trouve des souvenirs pour nos amis et nos familles. C'est sympa ça. Et pour nous aussi. Et pour nous aussi, voilà. Et qu'est-ce qu'on est censé voir sinon? Donc là, on est à Shinjuku ce matin. On va faire un tour après, à Harajuku. Moi, j'aimerais aller faire un tour au cimetière d'Aoyama, qui est un peu le Père Lachaise de Tokyo. Et soirée Roppongi normalement avec Cédric au moins. Voilà. Si le programme se maintient. Tout à fait. Voilà. Avec un petit angle bien gris. Oui, pluie normalement pourri. Aujourd'hui annoncée. Mais tout pourri à 30 degrés. Enfin, voilà. il fait chaud. Il fait chaud. Bon visionnage. À tout à l'heure. À todé. Alors, petit débrief de la journée. Plus vieux débrief. Commencer par donc Shinjuku, parce que tu voulais voir la boutique Free Coins, qui était dans un magasin qui a priori était fermé. Donc ça a commencé bien. Ça sentait la journée de la loose. Bon, finalement, on a réussi à la trouver. Elle était dans un autre magasin, donc un autre centre commercial. Donc j'étais contente. Voilà, on a fait la boutique Yodobashi là, je pense. Voilà, Yodobashi.
C'est un grand magasin d'électronique un peu comme Big Camera, qui avait pas de fauteuil de massage. C'était nul. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensuite? Bon, on s'est tapé la pluie à là du coup. Ouais. On a failli Mais rentrer à alors, l'appart. c'est-à-dire taper la pluie, je pense que j'ai jamais été aussi trempée de ma vie par de la pluie. Pluie tropicale, Ouais. très classique ici. C'est la deuxième fois après Kyoto. Avec des chaussures en mode piscine. Voilà, Voilà. c'était super. Bon, finalement, on a quand même décidé de De rester, rester un peu, ouais. de faire un tour, voir un peu les boutiques, même si moi je n'osais pas trop rentrer parce qu'en étant trempé avec la clim, c'était pas très très agréable. Ensuite, nous sommes allés au cimetière d'Aoyama, qui était Toujours sous joli, la pluie. avec plein de Avec moustiques, une pluie très très dense. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, on est rentré à la Ensuite, maison. on est rentré à la maison, on a mis à sécher nos. Chaussures au sèche-linge. Voilà. Et Ouais. comme j'en pouvais plus de dormir, enfin de dormir, de pas dormir dans cette superbe, dans ce superbe appartement que nous avons sur Tokyo, dans le quartier des Love Hotels, un peu dégueulasse de Ueno, bah, on a pris une chambre d'hôtel pour cette nuit, voilà, du côté d'Asakusa, parce que je trouve ça plus joli, Asakusa. Voilà, c'est très personnel. Et en plus, on a des courses à y faire. Oui. Voilà, donc ça nous fait Toujours pour gagner du toi, temps Julie. pour demain matin. Et qu'est-ce qu'on a fait Bah d'autre? rien, on Rien s'est de un peu promené dans particulier. la Saxa avant d'arriver à l'hôtel et voilà. Voilà. Et là, objectif, dodo 9h30. Hôtel incroyable avec des volets, comme on peut le voir derrière, et du double vitrage. Donc pas de bruit et pas de lumière. Incroyable. C'est inespéré pour le Japon. C'est ça. Voilà. Et demain, dernier jour, malheureusement. C'est ça. Dernier jour. Enfin, avant-dernier jour, puisque le Ouais, dernier enfin, le jour, jour du on voyage, moi je le compte pas. va. Voilà. Comme on dit ici, Sayonara! Sayonara! Bonus blague, comment appelle-t-on du riz qu'on peut manger dans une voiture? Du risotto! Voilà, c'était la blague du jour.